Alors, ce mystérieux P que votre fille évoque avec passion dans son journal intime s'appelle Peter. Peter Baum. Baum ? Attendez, mais c'est... Oui, c'est le professeur. Celui qui donne des cours de mathématiques à Britta. Ouais, c'est ça. Non, ça, ce sont les contacts. Ah, mais c'est incroyable de voir ça. Oh, oui, c'est incroyable. Ce sale petit prof minable qui ose toucher à ma fille. Ah non, mais c'est pas vrai. Non, mais j'en crois pas mes yeux. Ah, mais il va voir de quel bois je me chauffe, ce petit prof. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, monsieur Weber. Ce genre de photo ne fournit aucune preuve qui puisse être à l'origine d'une plainte pour détournement de mineurs. Comment ça? Ça ne vous suffit pas? Il vous faut des photos porno? À mon avis, ce sale dépravé doit être envoyé de l'école immédiatement. Je comprends très bien votre colère, monsieur Weber. Mais veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien. Il faut aussi que vous ne perdiez pas de vue que votre fille vient d'avoir 17 ans. Oui, c'est vrai. Ce n'est plus une petite fille. Oui, mais c'est son professeur. Vous voulez peut-être nous faire croire que nous ne pouvons rien intenter contre lui quand on voit ce qu'il a fait? Bon, vous n'avez plus besoin de moi, je pense. Est-ce que vous voulez que je parle à monsieur Baum? À quoi ça servirait de lui parler? Ce qu'il faut, c'est le faire renvoyer. C'est la seule solution. Au revoir. Et si vous n'êtes pas capable de faire valoir nos droits, eh bien je m'en chargerai moi-même. Ah, il y a des jours où j'aimerais vraiment pas être à sa place. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est mignon, lui. Je l'ai trouvé, il était sur un refuge pour piétons à un carrefour. Je traversais et d'un seul coup, j'ai entendu ce petit malheureux qui pleurait tout seul. Oh, c'est un miracle qu'il ne se soit pas fait écraser. Les vacances approchent, on l'a abandonné. Eh ouais, il devait gêner. Donnez-moi votre avis, j'avais envie de l'appeler Caspar. Qu'est-ce que t'en penses, Caspar? Hé, Caspar, t'es sourd ou quoi? Ne vous moquez pas de lui. Non, Caspar, parce qu'il a été trouvé comme Caspar Hauser. Ah, le film. Ah oui, excellente idée. Bon, si ce casse-pied n'a pas une bonne raison, je te jure qu'on va lui mordre la jambe tous les deux. Hein, Umba? Ouais, ouais, ouais. Ah là, j'arrive. Ça fait une heure que j'essaye de vous joindre, mais ça sonne dans le vide et il n'y a pas de répondeur. C'est normal, je voulais essayer de dormir. Mon mari a été arrêté, il faut absolument que vous alliez au commissariat. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? On l'accuse d'avoir tué le prof de ma fille, vous savez bien, ce Baum. Comment? On n'aurait jamais pensé ça. Il faut que je rentre à la maison. Oui, Britta a disparu, si ça se trouve, elle est peut-être rentrée. Voyons, maintenant. Calmez-vous, voyons. Entrez une seconde, vous allez me raconter tout ça calmement, non, d'accord mais... Je vous en prie, Madame Weber. Bon, je vais vous laisser un instant, madame, le temps de passer quelques vêtements. Oui, bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Allez-y, racontez-moi calmement ce qui s'est passé. Mais je... C'est à devenir folle, j'avoue que je ne sais pas grand-chose. Si ce n'est que mon mari est allé hier soir au concert donné par les élèves pour discuter avec le prof. Votre fille était aussi à ce concert? Mais oui, bien sûr. Seulement l'ennui, c'est que... Après, elle a disparu. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Madame Weber. Madame Weber. Oh. Comment avez-vous remarqué qu'il se passait quelque chose entre votre fille et ce jeune professeur? Ma femme et moi, nous nous faisions du souci pour Britta. Nous avions peur qu'elle ne soit mêlée à des histoires de drogue et quand nous avons fouillé ses affaires... Nous avons découvert son journal. Est-ce que vous lui avez dit que vous étiez au courant? Non, bien sûr que non. Je voulais avoir une entrevue avec le prof avant. Bien, alors vous êtes allé à ce concert pour essayer d'en terminer avec le prof de votre fille. Non, si mon client est allé à ce concert, ce n'était que pour parler avec ce professeur. Exactement. Quand le concert a été terminé, j'ai envoyé Britta m'attendre dans la voiture. Monsieur Baum et un de ses collègues, nommé Simon, sont sortis dans les derniers de la salle de concert. Je suis allé vers eux et j'ai dit à M. Baum que je voulais un entretien avec lui. M. Simon est parti. Et nous sommes retournés dans la salle. Et donc apparemment la conversation a dû mal tourner. Ben, c'est vrai que c'était tendu. Bien que Baum ait eu l'air surpris et qu'il m'ait juré qu'à part quelques petits câlins superficiels, il ne s'était rien passé. Et je dois dire qu'il était même tout prêt à mettre un terme à cette histoire. Mais quand il m'a affirmé que Britta l'avait allumé, j'avoue que j'ai vu rouge. Et que je lui ai mis ma main dans la figure. Et ensuite, vous l'avez frappé avec un pied de micro que vous avez trouvé là. Non, un moment, s'il vous plaît. Vous ne croyez pas que vous vous laissez emporter par votre imagination, monsieur le commissaire?
Si vous faites ce genre d'affirmation, vous n'entendrez pas mon client finir de vous expliquer ce qui s'est passé. Pour le pied de micro, je n'étais pas au courant. Ensuite, je suis reparti vers la sortie, juste au moment où le concierge allait fermer. Je lui ai même dit qu'il fallait qu'il s'occupe de cet idiot. Et après ça, vous êtes allé retrouver votre fille, c'est ça? Oui. Les clés de contact se trouvaient sur le siège, seulement il n'y avait pas de traces de Brita. Alors je suis retourné faire le tour de l'école, et c'est à ce moment-là que la police est arrivée. Je suis allé les voir pour leur demander s'ils n'avaient pas vu Brita. Et c'est là que je me suis fait arrêter. Vous êtes en détention provisoire et vous le resterez tant que le juge n'aura pas décidé autrement. Alors, Henri... Oui, mais... Vous n'avez pas le droit, vous n'allez pas m'arrêter. Et qui va rechercher ma fille, maintenant? Monsieur Matula pourra s'en charger, si vous le voulez. Oui, très bien. Et demandez-lui aussi de trouver le meurtrier du professeur, puisque la police a déjà fait son choix. Si Baum était encore en vie, au moment où Weber est sorti de la salle de concert... Ça veut dire que l'assassin a dû être obligé d'attendre caché pour tuer Baum. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps avant que le concierge arrive. Oui, c'est sûr. Mais ce qui me rend sceptique, c'est que... Excusez-moi, maître Franck. Doucement, toi. Madame Weber est là. Je la fais entrer? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Bonjour, madame Weber. Ma fille... Brita a tenté de se suicider. Dieu. Venez vous asseoir. Elle est à l'hôpital alors qu'il est... Elle n'est même pas encore revenue à elle. Les médecins disent que... qu'elle est hors de danger, que ça va aller, mais... Je me demande pourquoi elle a fait ça. Vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Il paraît qu'elle a avalé toute une boîte de calmants. On l'aurait retrouvée dans une des poches de son sac. C'est une certaine Madame Simon qui l'a trouvée ce matin devant la porte de Monsieur Bao. Oh, si seulement mon mari était avec moi. Je suis coincé ici, je suis là à ne rien faire et je commence à être désespéré. Brita a besoin de moi et je suis là. Sans parler de ma femme, bien sûr. Pour le moment, tous les indices sont encore contre vous, Monsieur Weber. Mais pourquoi êtes-vous allé trouver Baum? Nous étions pourtant convenus que c'était moi qui m'occupais de l'affaire. J'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais voir ce type de plus près, je crois que c'est ça. Seulement, je peux vous assurer que je n'ai jamais tué ce prof. Il faut que je sorte de cette prison et vite. Bonjour, madame Knobloch. Je pourrais parler à votre mari? Mon mari est mort. Ah, je parle de celui qui est concierge. Vous parlez de mon fils? Eh bien, il doit être dans la cour. Vous allez prendre l'avant, ensuite sur la gauche, et encore une fois à gauche jusqu'à l'entrée principale. C'est vrai. Il m'a effectivement dit que je devais monter jusqu'à la salle de concert et que j'aille m'occuper de Baum. Et vous vous souvenez de l'impression qu'il vous a faite? Oui, il avait l'air plutôt énervé. Et est-ce que vous vous souvenez si vous avez fermé la porte d'entrée avant ou après que vous vous soyez rendu à la salle de concert? Après. Ah non, non. Non, 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 non. Je l'ai fermé avant de monter. Vous en êtes tout à fait sûr? J'en mettrai ma tête à couper. Oh, faut pas dire ça. Et en arrivant dans la salle, le professeur était mort. Oui, j'ai même failli tourner de l'œil en le voyant, croyez-moi. Vous avez croisé quelqu'un dans l'établissement? Non. En tout cas, c'est quand même vous qui avez prévenu la police. Oui, je l'ai fait du bureau de la secrétaire. Et quand la police est arrivée, vous avez accusé Weber d'être le meurtrier de celui que vous veniez de trouver. Mais qui vouliez-vous que ce soit d'autre? Monsieur Knobloch, en tant que concierge, vous devez connaître tous les professeurs. Comment était Monsieur Baum? Alors là, vous m'en demandez un peu trop. Ouais, et où je peux trouver Monsieur Schubert? C'est bientôt la récréation. Et Monsieur Schubert regagne toujours son bureau. Permettez. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. C'est gentil à vous. Vous prendrez un café? Volontiers.
Quand je vous regarde, je comprends enfin pourquoi je n'aimais pas aller à l'école de mon temps. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de secrétaire aussi jolie que vous. Vous êtes gentil. Je vous en prie. Du lait? Non, merci. Vous connaissiez M. Baum? Oh, le connaître, c'est beaucoup dire. Nous avions souvent affaire l'un à l'autre. Il était responsable de la musique dans l'école. Oh, c'est terrible de parler de quelqu'un à l'imparfait. Hier encore, il était là, bien vivant, devant moi. Je me demande ce qui peut pousser les gens à s'entretuer dans ce monde. Oh, vous savez, ça n'a pas tellement changé depuis Cain et Abel. Parlez-moi donc un peu de M. Baum. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Que je l'ai toujours trouvé très sympathique. Je trouvais ça bien quand il faisait de la musique avec ses élèves. D'un autre côté, il était un peu prétentieux. Seulement, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Il y a pourtant quelqu'un qui lui en voulait. Est-ce qu'il était aimé dans l'établissement? Par les élèves, oui, bien sûr. Monsieur Schubert, là. Je vais le prévenir. Merci. Bonjour, monsieur Jacobi. Bonjour, madame Wirth. Bonjour. Tu es sûr qu'il va pouvoir se renseigner ici? Oui. Je dois vous dire, monsieur Matula, que je tiens à assister à tous les concerts ou représentations que donnent les élèves. D'abord, de par ma qualité de directeur adjoint, il faut reconnaître que c'est presque une obligation dont je dois m'acquitter. Bon, mais ensuite, pour des raisons personnelles, j'avoue que l'éducation musicale à l'école me tient beaucoup à cœur. J'ai même, pendant de longues années, été le responsable musical de cette école. Et jusqu'à ce que je cède la fonction, par manque de temps, à ce pauvre monsieur Baum. Comment s'acquittait-il de sa mission? Oh, il s'est abandonné à ce nouveau poste avec énormément de passion et d'entrain. Et je dois reconnaître que qu'avec ses idées modernes, il a réussi à obtenir de très bons résultats. D'ailleurs, ce que je trouve surprenant, c'est que cet homme ait pu avoir une relation avec une élève. Alors qu'il y a peu de temps, il avait en plus posé sa candidature au poste de proviseur. Vraiment? Et je trouve ça très bizarre. Croyez-moi, monsieur Matula, ce genre de scandale jette le discrédit sur notre établissement. Ouais, vous n'avez pas de proviseur pour l'instant? Non. Mon collègue a succombé tragiquement à une attaque cardiaque. D'un seul coup, pendant les vacances de Pâques. Eh oui, stat soit quick et dies. Pardon? Veuillez m'excuser, c'est une phrase latine qui signifie à chacun son heure. Virgile. Ah, et Virgile. Et dans ce cas, ce n'est pas automatiquement son adjoint qui lui succède? C'est-à-dire vous? Non. Non, le poste est déclaré vacant, c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez posé votre candidature, vous aussi? C'était presque une obligation. Il faut que vous sachiez qu'il y a dans ce collège une catégorie de professeurs qui auraient été loin d'apprécier d'avoir M. Baum comme proviseur de notre collège et qui m'a donc demandé de me présenter. Alors M. Baum n'avait pas que des amis? C'est un doux euphémisme. Je me souviens que Karl Orff a dit une phrase importante. « Sois toujours charmant avec tes ennemis, il n'y a rien de tel pour les agacer. » Seulement, je crois que M. Baum n'en a pas tenu compte. Ou alors, il a voulu trop rapidement changer trop de choses d'un seul coup, en fait. Mais voilà, à cause de sa jeunesse, il a trop souvent offensé certains de ses collègues. Intéressant. Alors contre vous, il n'avait donc aucune chance? Oh, il ne se faisait pas de soucis. Il savait au contraire que je n'accordais pas une grande importance à ce poste. Et de ce fait, mon comportement face à lui allait être des plus passifs. Ah, le devoir m'appelle. Je vais vous demander de m'excuser. Je vous en prie. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à la salle de concert? Non, la police n'en a pas encore autorisé la visite, malheureusement. Ah, je comprends. Pouvez-vous me dire en revanche quand, monsieur? Un peu de silence. Pourquoi n'êtes-vous pas dans vos classes? Allez, sortez d'ici et dépêchez-vous. Bonjour, monsieur Schubert. Bonjour, monsieur Schubert. Un peu de silence, je vous prie. Est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure M. Simon doit terminer ses cours? Malheureusement, je n'ai pas en tête l'emploi du temps de tous les professeurs. Vous devriez vous adresser à Mme Wirth. Ah, c'est pas de refus. Oui, je pense effectivement que ces indices sont révélateurs, monsieur le juge.
Oui, mais alors il faudrait peut-être que nous allions jusqu'au bout pour savoir ce que révèlent ces indices. Monsieur Simon, un des collègues de la victime, déclare qu'il a bien vu mon client retourner dans la salle de concert en compagnie de Monsieur Baum, et ceci après le concert. Et sachant qu'il y avait un témoin, croyez-vous que Monsieur Weber aurait eu l'audace de tuer Monsieur Baum? Non, c'est tout à fait ridicule. Ça peut se tenir. Il a pu perdre son sang-froid. Ce qui est surprenant, puisqu'il a su reprendre son sang-froid pour demander au concierge de bien vouloir s'occuper de Monsieur Baum. Est-ce que vous ne croyez pas que mon client aurait tenté de disparaître rapidement s'il avait véritablement été coupable? Mais si ça se trouve, il aura pensé que Baum n'était que légèrement blessé. Alors selon vous, M. Weber aurait brisé le crâne de M. Baum avec un pied de micro et qu'il aurait ensuite soigneusement essuyé les empreintes qu'il aurait pu laisser sur ce qui lui avait servi à tuer et qu'il aurait malgré tout pensé que Baum était encore vivant. Oui. Autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, la porte d'entrée de l'établissement est restée ouverte toute la soirée pour ceux qui voulaient entrer ou sortir, ce qui signifie que n'importe qui pouvait pénétrer dans l'établissement. Oui, mais pour ne plus en ressortir, parce que selon la théorie qu'il invoque, M. Baum aurait été assassiné après que son client soit parti de la salle de concert par un inconnu qui se serait trouvé là. Seulement le concierge ayant déclaré qu'il avait fermé son établissement, une fois que M. Weber a été sorti, cela signifie que plus personne n'aurait pu quitter l'école sans que mes hommes ne l'aient vu, puisque l'inspection a révélé que toutes les portes et les fenêtres étaient encore verrouillées. Et si le concierge avait fait une erreur? S'il n'avait pas refermé la porte derrière Weber avant de retourner dans la salle de concert, ce qui aurait permis au vrai coupable de se cacher dans le bâtiment, de tuer et d'attendre une occasion pour fuir? Croyez-vous que nous puissions vraiment écarter cette éventualité? Arrêtez, Frank. Il cherche seulement à brouiller les cartes. Et vous, vous cherchez à résoudre cette affaire le plus vite possible. Je vous en prie. S'il vous plaît, Monsieur Weber, vous aviez la possibilité d'accomplir ce crime. Vous en aviez le mobile et les moyens. Alors, si Maître Frank est tout de même parvenu à mettre en évidence ce que j'appellerais quelques incohérences, vous n'en restez pas moins le suspect numéro un. Mais je suis un homme d'affaires. Mon entreprise doit continuer à fonctionner. Comment croyez-vous que va réagir ma clientèle quand elle apprendra que je suis incarcéré? Ah, ça... Veuillez prendre note, la demande d'ordonnance de mandat d'amener requise par le ministère public contre M. Weber est accordée. Oui, c'est comme ça. C'est vrai que Peter et moi, on avait tout de suite deviné pourquoi le père de Brita était là. C'est sûr que ça devait arriver. Mais de là à ce que ça finisse comme ça... Vous étiez donc au courant de cette amourette entre M. Baum et son élève? Si vous saviez le nombre de fois que j'ai essayé de le raisonner, mais il s'était complètement laissé avoir par cette gamine. Et il m'a raconté que Brita avait fait exprès de manquer des examens importants pour arriver à rester une année de plus avec lui sans que ça se sache. Et ensuite, elle a demandé à ses parents de prendre des cours particuliers de mathématiques avec lui. Elle le voyait deux fois par semaine en privé. Elle m'a l'air plutôt retors pour une gamine de 17 ans. Mais vous ne trouvez pas que dans l'affaire, votre collègue avait un peu la partie belle? Si, vous avez raison. Et Peter avait souvent une conscience plutôt élastique quand les choses l'arrangeaient. Mais je sais qu'il avait la ferme intention de rompre avec cette fille le jour où il allait obtenir sa nomination de proviseur à l'école. Et est-ce qu'il pensait sérieusement qu'il allait réussir à obtenir ce poste? C'est vrai que Schubert avait le privilège de l'ancienneté et que Peter avait en fait posé sa candidature dans le seul but de remuer tous les fossiles du collège. Vous n'imaginez pas toutes les batailles sanglantes qui se livrent dans la salle des profs. Ouais, sans parler de la salle de concert. Il y a quelqu'un de précis à l'origine de ces batailles? Vous croyez que... Oh non, 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 ça je peux pas le croire. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez hier pendant le concert? Je jouais de la guitare. J'ai toujours participé au concert des élèves depuis que Peter a repris la direction musicale de l'école. Dans le privé, on jouait aussi ensemble dans un groupe. Et vous habitiez ensemble aussi? Oui, oui. Vous pouvez me tenir ça? Oui. On vivait avec Gunther Folsing, un conseiller fiscal qui faisait partie du groupe lui aussi. Là, voilà notre maison. Et le local de répétition est à la cave. Et qui elle appartient? À nous. Enfin, c'est-à-dire à Gunther, à Peter, à ma femme et à moi. Et encore à la banque, monsieur. C'est bien votre femme qui a trouvé Brita devant votre porte ce matin? Oui, elle se lève tous les jours à 6 heures pour faire son jogging avant tout le monde. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens. Monsieur Seiderer, monsieur Arnold. Monsieur Jacobus. Venez avec moi, monsieur Arnold. Qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Elle tient une petite boutique, Romuns. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il fouille l'appartement de Peter? C'est ce qu'on appelle la routine. Pour eux, la mort, c'est une routine. Faites vraiment un sale métier. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je vous remercie, M. Simon. Un de ces jours. Au revoir. Voilà. Tu dois accepter de discuter avec ces messieurs. Ils sont là pour aider ton père.
Rita, je t'en prie. Dis-leur ce que tu sais. Nous savons ce que vous ressentez, Brita. Mais votre père est dans une très mauvaise situation. De plus, il se fait beaucoup de soucis pour vous. C'est lui le meurtrier. Oh non. Tu vas pas recommencer. Dites-moi ce qui vous fait croire que votre père puisse être l'assassin. Qui voulez-vous que ce soit? C'est ce que nous essayons de trouver. Nous sommes sûrs que votre père est en prison alors qu'il est innocent. Brita, vous devez essayer d'aider votre père. Racontez-nous ce qui s'est passé hier soir, s'il vous plaît. Quand vous êtes allé à la voiture après le concert, est-ce que vous vous doutiez de ce que votre père allait dire à M. Baum? Oui. Quand votre père est revenu à sa voiture, vous n'étiez plus là. Pourquoi? Parce que j'avais voulu aller me cacher. Dans quelle intention? Pour parler avec Peter. Lui dire que je resterai avec lui. Quel que soit ce que mon père entreprendrait pour nous séparer. Vous avez vu votre père ressortir de l'école? Donc vous savez très bien qu'il vous a cherché. Et aussi que peu de temps après, la police est arrivée. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Mais à présent, je voudrais être morte. Pourquoi vous êtes-vous suicidée devant chez M. Baum? Il fallait. Tout le monde sache que je mourrai pour lui. Brita, est-ce que vous savez si M. Baum avait quelques difficultés? Vous a-t-il dit qu'il avait des problèmes? Ou encore peut-être avait-il peur de quelqu'un? Non. Je ne sais pas, non. Ou peut-être de Madame Simon. Elle faisait toujours des histoires. Madame Simon? Comment cela? Eh bien, Peter avait eu une aventure avec elle. Il m'avait d'ailleurs dit qu'elle devait être jalouse de moi. Ça devait être la vérité. Elle n'arrêtait pas de lui en faire voir. Elle l'a même menacé de téléphoner au collège s'il ne rompait pas avec moi. Mais elle ne l'a pas fait? Non, Peter lui a dit qu'il raconterait tout à son mari, sinon... J'ai plus envie de parler de tout ça. Laissez-moi, s'il vous plaît. Remettez-vous vite. Au revoir. Je vais essayer de t'exposer ma théorie. Est-ce que tu ne crois pas que Brita aurait pu se glisser jusqu'à la salle de concert pour entendre ce qui se disait? Oui, mais il ne faut pas oublier que son père l'avait envoyée à la voiture, qu'il a retrouvé les clés de contact sur le siège avant, donc elle y est forcément allée. Elle est donc passée d'abord par la voiture et retournée à la salle de concert ensuite. À ce moment-là, l'école n'était pas encore fermée. Tu ne vas pas prendre l'ascenseur quand même? Et pourquoi pas? Mais parce que je dois bien quelques marches, ma circulation sanguine et toi aussi. Et moi, j'ai pas de problème avec ma circulation sanguine. Bon, allez, viens. Bon, où est-ce que je m'étais arrêté? Devant l'ascenseur. Donc, supposons que la jeune fille soit vraiment retournée à la salle de concert. Elle aurait entendu comment Baum se dégonflait devant son père. Est-ce que tu ne crois pas qu'elle aurait pu être profondément déçue de l'attitude de son proche chevalier? Tu veux dire si déçue qu'elle aurait pu attendre la sortie de son père pour ensuite s'approcher de Baum et de l'achever, lui déjà très mal en point? Et si on reste dans la théorie? Une fois son forfait accompli, elle est choquée et tellement torturée par un sentiment de culpabilité qu'elle ne voit pas d'autre solution pour s'en sortir que de se suicider. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu dis n'importe quoi, Joseph. Parce que si le concierge dit la vérité, à ce moment-là, l'école était fermée et Brita n'aurait donc pas pu ressortir. Et surtout le fait d'envisager cette jeune fille en meurtrière suicidaire, je t'avoue que je trouve ça un peu énorme. Eh ben, je vais quand même aller plus loin encore. Imagine qu'elle ait su que les cachets qu'elle prenait n'étaient pas mortels. La tentative de suicide se transforme d'un coup en cinéma. Il faut tout de même pas oublier qu'elle n'a que 17 ans. Ouais, mais elle est amoureuse d'un type deux fois plus âgé qu'elle. Un prof pour lequel elle a réussi à extorquer à ses parents des cours particuliers deux fois par semaine. Tu sais, Joseph, tu la vois machiavélique. Et moi, je te vois naïf.
Mais d'où tenez-vous de telles bêtises? Je n'ai jamais eu aucune aventure avec Peter. Comment pourriez-vous décrire les rapports que vous aviez avec lui? C'était un ami. C'était un très bon ami. Mon mari et moi, nous allons regretter. Seulement, je n'ai jamais couché avec lui. Parfois, certains considèrent le lit comme la continuation de l'amitié, mais avec des moyens différents. Ah oui? Mais moi, je ne suis pas de ce genre. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait entre Monsieur Baum et l'une de ses élèves de 17 ans? Ça ne regardait que lui. Et vous n'avez jamais essayé d'y mettre votre grain de sel? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de s'exprimer? La mienne. Je l'ai bien sûr mise en garde. Contre quoi? Contre le fait que cette histoire pouvait mal se terminer. Je suis certaine que des gens bien intentionnés ont sûrement dû vous raconter pas mal de saletés en ce qui me concerne. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de s'exprimer? Écoutez-moi bien, cher monsieur. Voilà. Si vous ne voulez pas de mes réponses, et si mes vêtements ne vous intéressent pas, je pense que vous allez sortir. Comme j'imagine que vous n'avez pas de tutu à ma taille, je vais aller voir ailleurs. Ciao. Voilà votre hamburger. Bon appétit. Merci. Voilà. Merci encore. Bonne journée. Au revoir. Bon appétit, monsieur. Il a joué pendant plus de 2 heures. Et puis il est rentré chez lui, enfin chez sa mère. Eh bien, chacun son truc, non? Maintenant, il nous faudrait les réponses aux questions suivantes. Pourquoi le concierge du lycée a-t-il reçu une somme d'argent de Madame Simon? Ensuite, est-ce que cette Madame Simon a bien eu une aventure avec le professeur? Et enfin, que va-t-il se passer pour Caspar? Eh bien, je n'ai aucune intention de le rapporter au chenil. Bien que je trouve malheureux que ce petit toutou passe le plus clair de ses journées enfermé dans mon appartement. Chez moi, il aurait de la compagnie, mais sûrement un peu de plaisir si j'en juge par le comportement de Umba. Ouais, j'ai l'impression qu'il serait très vite jaloux, moi. Ouais, il le serait peut-être moins si tu pensais à lui apporter un petit cadeau.
Allez, fais bien attention qu'il fasse son petit pipi et surtout qu'il mange bien. Et si vous acceptiez de le prendre, monsieur Matula, je trouve que ça vous irait très bien, un petit chien. Non. Pour pouvoir s'occuper d'un chien, il faut avoir le sens des responsabilités. Et il faut aussi avoir de l'instruction à prendre. N'est-ce pas, Joseph? Ouf! Oui, oui, tu es gentil. C'est pour vous. Je regrette seulement de ne pas être venu pendant la récréation. Oh, que dois-je dire d'une telle attention? Rien du tout. C'est un gâteau au yaourt, c'est donc très très léger. Oh, vraiment, c'est gentil, monsieur Matula. Je vous remercie. Oh, je voulais simplement vous faire ce petit plaisir. Vous pourriez me dire où je pourrais trouver le concierge? Je crois que monsieur Knobloch est en train de réparer le chauffage central. Merci. Quelqu'un? Bonjour, Brita. Oh, on dirait que vous allez mieux. Ça me fait plaisir. Tenez, je vous ai apporté quelques petites vitamines. Merci. Brita, votre frère a besoin de votre aide. Il est innocent et je voudrais que vous arrêtiez de vous détourner de lui. Il faudrait aussi que vous cessiez de lui en vouloir pour le souci qu'il se faisait au sujet de votre liaison avec le professeur. Du souci? Mais il était jaloux, oui? Oui. Il devait l'être aussi. Mais de nombreux pères réagissent comme ça quand ils voient leur fille chérie les quitter pour un étranger. Et ils vous aiment beaucoup, vous savez. Seulement, ils ne seraient pas allés jusqu'à tuer Baum. Bon. Brita, il va falloir que je revienne encore une fois sur la soirée d'avant-hier. Quand votre père vous l'a dit, vous êtes allé jusqu'à sa voiture avec les clés, c'est bien ça? Oui. Vous allez essayer de vous souvenir et dites-moi si en dehors de votre père et du concierge, vous avez vu quelqu'un d'autre dans l'école avant l'arrivée de la police. Non. Est-ce que vous avez vu monsieur Simon quand il est sorti à son tour de l'école? Non, mais... Mais? Quand j'ai couru jusqu'à l'appartement de Peter, j'ai vu un homme qui entrait dans la maison. Il avait un étui à guitare ou un truc de ce genre sous le bras. C'était Simon? Je ne sais pas, c'est trop loin. Merci, Brita. Vous m'avez aidé. Ça va aider papa, vous croyez? Je l'espère. En tout cas, ça va lui faire plaisir de savoir que vous avez voulu l'aider. Remettez-vous vite. Oui, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez fini? Oui, merci. Qu'est-ce que vous lui vouliez au juste à Knobloch? Je voulais des réponses. Des réponses à quoi? Comment vous le dire, je lui ai pas posé mes questions. Oui, mais moi, ces questions m'intéressaient. J'ai la vague impression que vous ne pouvez pas y répondre. On dirait que vous travaillez pour Weber. Ouais, contrairement à la police qui travaille contre lui. Vous pensez que le juge ne va pas l'inculper pour le meurtre du professeur Baum? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce meurtre et celui de Knobloch ont été commis par une seule et unique personne? Simple calcul de probabilité. Non, qu'est-ce que vous me chantez là? On a eu deux meurtres en deux jours, dans la même école. Monsieur Matula, ce qui me rassure toujours, c'est de savoir que face à une cour de justice, ce sont les faits qui comptent et pas les probabilités. Oui? Est-ce que je peux vous offrir un café? Non. Avec plaisir, j'arrive tout de suite. Vous passerez au commissariat demain matin de façon à ce qu'on puisse prendre votre déposition, on est d'accord? Oui. 10 heures, ça ira?
Vous imaginez les conséquences d'une telle catastrophe sur la discipline à l'intérieur de notre établissement? Nous reprendrons tout ça demain. Bonjour, monsieur Matula. Alors, monsieur le commissaire, j'espère que vous avez déjà trouvé des indices évidents. Merci. Qui vous aideront rapidement à résoudre ces deux malheureux meurtres. Ce que nous savons pour l'instant tiendrait sur un timbre poste. Et si ça continue comme ça, nous y serons encore au réveillon. Mais ce n'est pas possible! J'aimerais que vous teniez compte du fait que l'enseignement doit à tout prix retrouver son cours normal et surtout le plus rapidement possible. Non, attendez, vous n'allez tout de même pas me dire que vous croyez que le coupable se trouve à l'intérieur du collège? Il se trouve que le couteau du meurtre provient bien de la cuisine de ce collège. Ne me dites pas que vous aussi, vous seriez de l'avis de Joseph Matula. Oui, c'est ça, qui pense qu'il s'agit du même meurtrier dans les deux cas. Pardon? Ah mais, je ne suis qu'un piètre criminologue. Oui, et moi je ne suis pas voyant. Seulement voilà, j'ai fouillé le courrier de Baum avant-hier et j'ai trouvé une lettre du rectorat lui annonçant sa nomination comme proviseur de ce collège. Ah oui. Cela rend sa perte encore plus tragique pour l'école. Oui, c'est monstrueux. Au revoir. Vous me trouverez dans mon bureau. Ça va l'occuper un moment, ça, à mon avis. Alors, vous pensez réellement que c'était Madame Simon? Non, j'ai seulement dit que ça pourrait très bien être elle. Mais il y a d'autres personnes qu'il ne faut pas négliger non plus. Oui, c'est évident. Il peut y avoir de pauvres idiots qui sont ses camarades et qui ont pu aussi avoir envie de la draguer. Pourquoi avez-vous cette attitude méprisante? Mais qu'est-ce que vous vouliez que ma fille fasse avec ces jeunes imbéciles? Je ne comprends pas pourquoi vous ne laissez pas votre fille choisir ses amis toute seule. Elle est encore trop jeune pour avoir des aventures. Monsieur Weber. Vous qui l'avez vue, dites-moi si elle va s'en sortir. Physiquement, c'est certain. Sinon, on ne la laisserait pas quitter l'hôpital demain. En revanche, effectivement, elle va avoir besoin de réconfort et d'affection. Et moi, quand est-ce que je vais sortir d'ici? Ça va venir. Revenez une autre fois. Je ne suis pas en état de vous recevoir pour le moment. Attendez, Madame Knobloch. Je comprends que vous ayez de la peine. Mais vous pouvez m'aider à retrouver le meurtrier de votre fils. Je ne vous retiendrai que quelques instants. Entendu. Je vais vous ouvrir. Merci, madame. Je sais malheureusement peu de choses sur votre fils. Et il est pourtant très important pour notre enquête de savoir ce qu'il a fait ces derniers jours. Je ne veux pas que ce soit se mette à dire du mal de mon fils, monsieur. Asseyez-vous. Merci. C'est toujours très bien d'occuper de moi. Oh, merci. Hier, c'était mon anniversaire. Aujourd'hui, mon fils est mort. Personne ne portera atteinte à la mémoire de votre fils. Et si vous voulez que sa mort soit punie, le mieux serait que vous nous aidiez. Si seulement il avait décidé de renoncer à sa passion pour ces machines à sous. À un moment, j'ai espéré que ça allait lui passer. Et je vous avoue qu'il y a 2 ans, je lui ai même donné de l'argent pour la toute dernière fois. Autrement, quelqu'un aurait fini par porter plainte contre lui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ces derniers jours? Il m'a demandé d'aller à la poste pour lui ce matin pour aller chercher un paquet à 8 heures. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet? Comment il était? Il était grand? Non, comme ça. Dans du papier d'emballage. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus? Poste restante. Et le numéro qu'il m'avait donné avant de partir. Sinon, rien d'autre. Bon, j'ai effectivement menti, alors. Voilà. Merci, Madame Simon. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, où vous trouviez-vous quand Peter Baum a été assassiné? Je ne vois pas pourquoi vous me posez une telle question. Pourquoi est-ce que j'aurais tué Peter? À cause de cette gamine, c'est ça? Par exemple, d'après Brita, vous étiez absolument folle de jalousie. Quoi?
Excusez-moi, mais est-ce que vous auriez quelque chose d'un petit peu plus court? Oui, je vais vous chercher. Merci. Ça. Je trouvais cette petite romance particulièrement ridicule. Excusez-moi, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Oh, d'accord. Oh, parfait. Je ne vois pas pourquoi j'aurais joué les maîtresses hystériques, ça aurait été stupide. Et puis ça n'aurait fait que me dévaloriser à ses yeux. Vous dévaloriser à ses yeux, Madame Simon? Quelle valeur aviez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Vous me faites la morale. Vous ne nous avez toujours pas dit ce que vous faisiez avant-hier soir entre 10h et 11h. Je regardais la télé. À 10h30, mon mari est rentré et là, comme d'habitude, nous sommes allés nous coucher. Bon, écoutez-moi. Sortir avec cette fille flatter la vanité de Peter. Mais il ne faut pas qu'elle croie que c'est à cause d'elle qu'il y a eu mort d'homme, ce serait un fantasme pubertaire. Ça ne va pas. Oui, mais Monsieur Baum a tout de même bien été tué. Et le concierge, Monsieur Knobloch, a été poignardé, vous le saviez? Oui, mon mari me l'avait dit. Et avant que vous me demandiez si j'ai un alibi pour ce meurtre-là, je vous répondrai que j'ai passé toute la matinée ici dans la boutique. Et il y a une quantité de clients qui confirmeront mes dires. Tenez, merci. Hier, Monsieur Knobloch est venu vous rendre visite, je me trompe? Non, il lui arrivait de venir acheter des choses chez moi. Seulement, vous lui avez donné de l'argent, pourquoi? Vous avez droit à 3 réponses. Très bien. Il vous faisait chanter, vous l'aviez compromis, ou alors vous l'avez payé pour quelque chose. C'était sa monnaie, Monsieur Matula. Rien d'autre. Sa monnaie, à peine quelques secondes après qu'il soit entré. J'aimerais savoir ce qu'il a bien pu acheter si rapidement. Un foulard de soie. Pour l'anniversaire de sa mère. Bleu, avec des pois blancs. Oui, exactement. Il l'avait commandé par téléphone et je devais le choisir. Il n'avait donc plus qu'à venir le chercher et le payer. Il m'a donné 100 marques et moi je lui en ai rendu 30. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez déclaré que votre mari avant-hier était rentré chez vous vers 10h30. Vous ne croyez pas qu'il était en réalité 2 heures de plus? Absolument pas. S'il vous plaît. J'arrive. Oui, ça doit être ça. Quand je suis rentré, il était environ 10h30. Et par quelle sortie avez-vous quitté le collège? Par une des portes latérales. Les professeurs ont des clés de toutes les portes. Et pourquoi ne pas être passé par la porte principale? Parce que c'est plus court sur le côté. Par la porte principale, je dois contourner tout le bâtiment. Vous aviez votre guitare avec vous en rentrant chez vous? Naturellement. On vous a effectivement vu arriver à votre domicile. Seulement, c'était 2 heures plus tard, vers 00h30. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, c'était peut-être Gunther Felsing, qui lui aussi habite la maison. Il lui arrive de jouer avec un collègue pour une fête d'entreprise ou bien une fête de famille. De la guitare? De la basse, oui. Et si vous voulez, je peux l'appeler tout de suite et lui demander. Non, laissez, je m'en chargerai. Donnez-moi son numéro. Est-ce que vous étiez au courant que M. Baum allait devenir proviseur? Quoi? Non, vous plaisantez, là. Non. Le téléphone est dans la pièce à côté. J'ai l'impression que ça vous surprend. Ah, oui, c'est certain. Schubert est au courant? Il a dû en faire une attaque, lui. Il croyait dur comme fer que ça allait lui revenir. Je croyais pourtant que ce poste ne l'intéressait pas particulièrement. Lui, au contraire, il attendait ça depuis des années. Il a toujours essayé de bien se faire voir de tous. Et il est fier comme si l'école était à lui. Mais c'est intéressant. Et quels étaient ses rapports avec Baum? Très tendu. Je crois même que Schubert n'a jamais pardonné à Peter d'avoir été obligé de lui céder le poste de responsable de l'éducation musicale. Schubert sait à peine jouer de la flûte à bec. C'est vrai. Folsing est effectivement rentré chez lui vers 1h30 du matin avant-hier avec sa guitare. Alors nous n'allons pas vous déranger plus longtemps et vous laisser corriger vos copies. Merci, au revoir. Au revoir. Et ne soyez pas trop sévère. Même Virgile a débuté. Dis-moi, tu connais Virgile, toi? Virgile? Ouais. Un jour viendra. Enfin, un truc dans ce goût-là. Non, c'est plutôt à chacun son heure. Mais je dois avouer que pour une fois, tu m'impressionnes. C'est Schubert qui a dit ça devant moi hier. D'ailleurs, celui-là, on devrait peut-être aller le voir d'un petit peu plus près. Il aurait très bien pu remonter dans la salle après que le concert ait été fini.
Vous voulez dire qu'il aurait pu entendre la dispute entre Weber et Baum, c'est ça? Bien sûr. Il attend que Weber soit sorti de la salle et il y retourne pour voir ce qui vient de se passer. Baum est étendu par terre, inconscient, et pour Schubert, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser du concurrent qu'il déteste. Il attrape un pied de micro, l'achève et sort discrètement par une sortie de côté. Seulement, il n'est pas assez rapide et feu notre concierge le voit. Et qui se met à le faire chanter. De façon anonyme. Knobloch se fait envoyer son argent à une poste restante et demande à sa mère qu'elle aille le chercher pour lui. Mais Schubert comprend le petit manège et décide de lui rendre une petite visite d'adieu dans la cave. Oui, c'est vrai que ça se tient, tout ça. Malgré tout, il va falloir réussir à faire avouer Schubert. Peut-être que Madame Wirth, la secrétaire de l'école, pourrait nous aider, là. Elle est chez elle, à cette heure-ci. Excellente idée. Eh, viens, on va la voir. Rainer, attends une seconde. Elle ne le prend pas mal, mais... C'est cette jeune femme, elle est plutôt sensible au charme des grands blonds nonchalants, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tu veux dire qu'il vaut mieux que j'y aille tout seul, pas de problème. Non, non, moi je trouve que t'as plutôt l'air d'un homme fatigué, qui a besoin de sommeil, et puis on ne sait jamais combien de temps ça dure, hein, ce genre d'interrogatoire. Mais n'oublie quand même pas que cette dame doit être à l'heure à son boulot demain matin. Et peut-être que c'est moi qui vais lui apprendre quelque chose. Ah, il y a un truc que je voulais te demander. Mm-hmm. Ce matin, quand tu as quitté Brita à l'hôpital, est-ce que c'est l'ascenseur ou les escaliers que t'as pris? Je m'en souviens plus, pourquoi? Pour ta circulation sanguine. Tu l'embrasseras pour moi. Allez, ciao. Monsieur Mathula, ah, ça me fait plaisir de vous voir. Entrez. Je vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Il faut seulement éviter de faire du bruit parce que les enfants dorment. Ah, il... Ah oui, c'est vrai. Oui. Je veux pas rester trop longtemps, de toute façon. Deux ou trois questions à vous poser. Dommage. Mais venez vous asseoir. Merci. Vous voulez un morceau de gâteau? Oh non, 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 non. Alors, j'aimerais savoir... depuis combien de temps M. Schubert est-il directeur adjoint? Ça fera 8 ans à la rentrée prochaine. Et vous croyez que c'est important pour lui de devenir proviseur? En tout cas, il le mériterait. C'est un homme ambitieux? Je dois avouer que moi, j'ai pas à me plaindre de lui. Ce n'est pas une réponse à ma question. Depuis la mort de sa mère, il y a 5 ans environ, il ne vit plus que pour le collège. Et quand le commissaire lui a appris que c'était M. Baum qui allait être proviseur, ça a dû lui faire un choc. Non. Non, il connaissait déjà le résultat de cette décision. Ah ouais? Et depuis quand? Il le savait depuis la veille. Pendant la récréation, j'ai passé à M. Schubert une communication de l'inspection d'académie. Et comme la porte n'était pas fermée, j'ai entendu qu'on lui disait que c'était Baum qui était choisi. Mais il ne s'agissait que d'une information officieuse et il m'a demandé de n'en parler à personne avant qu'elle soit officielle. Alors, évitez de lui dire que c'est moi qui vous en ai parlé. Non, non, n'ayez aucun souci à ce sujet, Madame Wirth. Oh, je vais tout de même m'inquiéter. Je pense que j'aurais mieux fait de me taire. Vous allez voir Monsieur Schubert maintenant? Ouais. Il doit être encore à l'école. Il m'a appelé il y a une demi-heure pour me demander quelque chose. Il travaille souvent le soir, c'est plus calme. Et puis de toute façon, plus personne ne l'attend chez lui. Je comprends, oui. Combien vous avez d'enfants, au fait? 2. Till et Max. L'ennui, c'est qu'il y a peu d'hommes qui veulent devenir pères. Et vous? Aucun. Et il y a pourtant tellement de femmes qui veulent devenir mères. J'y vais. Au revoir, Madame Wirth. On verra si on se revoit. Ouais. Au revoir, Monsieur Mathula. Tu as l'intention de fouiller toute l'école ou quoi? Mais non, il doit sûrement être dans son bureau. Eh oh! Bonsoir, messieurs! Je suis là! Attendez, il faut que je vous parle! Mais vite! Faut faire très vite! Thank you.
S'il vous plaît, ne vous approchez pas. Est-ce que vous êtes l'avocat pour lequel travaille Monsieur Matula? Oui. Je peux savoir comment vous vous appelez? Je m'appelle Rainer Frank. Moi, c'est Schubert. Apparemment, vous nous attendiez. Madame Wirth m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Oui, la pauvre, elle a très mauvaise conscience. Ah, mais au fait, dites-moi, où est passé Monsieur Matula? Monsieur Matula, il est parti chercher du secours. Non, arrêtez! Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis parfaitement responsable de moi-même. Bien, alors je peux m'en aller. Non, ne partez pas, attendez. Non, vous êtes bien avocat. Hein. Vous, on vous croira. Alors vous raconterez la vérité au monde. À savoir que vous avez assassiné deux personnes? Oui, ça c'est vrai, je l'ai fait, mais c'était pour le collège. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas accepter que notre établissement soit représenté par cet arriviste débutant. Non, ne partez pas, restez avec moi. Monsieur Franck, il faut que vous sachiez que ce Baum a détruit tout ce qui était noble et beau dans notre collège. Il ne possédait aucune morale, ni même d'honneur. Et il aurait ruiné l'excellente réputation de notre collège si moi je n'avais pas décidé de l'anéantir. Je dois vous avouer que je ne trouve ça ni moral ni honorable de tuer quelqu'un qui est étendu par terre sans défense. Non, attendez, monsieur, maître Frank, ce n'est pas ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses se sont passées autrement. J'ai même voulu l'aider à se relever. Je ne voulais pas le laisser comme ça. Mais il faut que vous sachiez, monsieur, qu'aussitôt, qu'à la fin de ce monstrueux concert de rock, qui m'a véritablement provoqué des douleurs physiques, j'ai décidé de rester à l'école, simplement pour être le premier à féliciter monsieur Baum de sa nouvelle nomination au poste de proviseur. Mais ce sale petit prolétaire m'a humilié. Il s'est moqué de moi. Il fallait donc que je le punisse. Et croyez-moi, monsieur Franck, je peux vous dire que je ne regrette absolument rien. Ne bougez pas, restez où vous êtes, tous les deux! Il ne faudrait pas vous imaginer que vous allez m'avoir comme vous voulez. Car il y en a d'autres qui ont essayé avant vous. Oui, monsieur Knobloch, le concierge, par exemple. Oh, mais bien sûr, Knobloch, c'était le type du parfait imbécile. Vous savez où j'ai retrouvé le papier d'emballage que j'avais utilisé pour envelopper les 10 000 marques que je lui avais données? Vous ne le savez pas? Dans une corbeille à papier, là, dans le couloir du collège. Juste à côté de mon bureau. Et ce sont les taches d'huile sur ce papier qui m'ont conduit directement jusqu'à lui. Non mais, est-ce que ce n'est pas la preuve d'une médiocrité inouïe et presque palpable? Cet homme était un sous-homme. Vous ne saviez donc pas dès le départ que c'était Knobloch, votre maître chanteur? Si, je le soupçonnais, évidemment. Comment aurait-il pu en être autrement, monsieur Matula? Il y avait d'abord ce mot que j'avais trouvé sous ma porte le lendemain de la mort du professeur. Un mot tapé à la machine très maladroitement. Et qui plus est, ces malheureuses lignes étaient bourrées de fautes d'orthographe. Dans ce cas, je vous donne raison, monsieur Schubert. Une punition doit être justifiée. C'est ça, justifiée. Et en rapport. C'est pourquoi, justement, je suis allé récupérer un couteau de cuisine digne de son peu de personnalité que j'ai caché dans mon classeur. Et ensuite, pendant la courte récréation, avant la quatrième heure de cours, je suis descendu à la cave. Et c'est là que j'ai mis mon châtiment à exécution. Et ce fut votre deuxième meurtre? Vous ne comprenez pas, monsieur Matula. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Vous savez, estat sua quic et dies. Ah oui, Virgile. Et vous avez décidé que votre heure à vous était aujourd'hui. Vous ne croyez pas que vous êtes en train de faire une grosse erreur, monsieur Schubert? Non, monsieur Franck. Certainement pas. Monsieur Schubert! Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
Britta. Bonjour, Madame Weber. Papa. Comment vas-tu, chérie? Ma petite fille. Oh, je suis contente que tu sois là. Bonjour, Britta. Bonjour. Nous vous avons apporté quelqu'un. Il a besoin d'un toit ainsi que de beaucoup d'amour. Oh. Allez, sors, toi. Oh, ce qu'il est mignon. Eh oui, Monsieur Weber, il va falloir vous habituer à ne plus jouer que les deuxièmes rôles pour votre fille. Il s'appelle Caspar. Salut, Caspar. Ah, c'est un enfant trouvé. Comme Caspar Hauser.